Hello. Nice to see you. Welcome to London. Okay, this movie is a bit different from your previous work. It's a bit brighter and there's music. What made you go through these changes? And how much do you owe to Italian realism? Oui, nous a semblé qu'on devait tourner pendant l'été. C'est la première fois qu'on tourne l'été, donc c'est la première fois qu'il y a du soleil dans un film qu'on a fait. Et je pense que ça, ça change beaucoup. First of all, we shot during the summer. It's the very first time that we do that for us. And shooting, filming during the summer, obviously there's sunshine and it changes the light. Et c'est aussi la première fois qu'on travaille avec une actrice connue. It's also the first time we're working with a famous actress or a known actress established. Voilà, et la première fois aussi qu'on a de la musique vraiment dans un film. C'est pas long, mais il y a de la musique qui vient apaiser, qui vient caresser Cyril. And the first time we use music, not long, but just enough to come and soothe and caress Cyril. And what do you owe to Italian neorealism? Je ne comprends pas de l'italien. Non, le réalisme italien, c'est ma combien vous leur devez. Ah, on leur doit beaucoup. Beaucoup. We owe them a lot. Mais comme tout le cinéma après la guerre, c'est le néo-réalisme italien qui a changé le cinéma. Donc tous les cinéastes qui sont venus après, même ceux qui ont fait de la science-fiction, ils leur doivent beaucoup. But it's the same goes for all filmmakers, post-war filmmakers, even those doing science fiction, owe a lot to Italian realism. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye.